vraiment très heureux d'être avec vous ce matin pour fêter avec vous la première décennie des Eaux Vives, un anniversaire qui se fête évidemment avec tous les résidents, leurs familles, les agents et employés de l'EHPAD et du CCAS. L'établissement a ouvert en octobre 2008. On a continué les plantations qui étaient à l'arrière du bâtiment. On a modifié certaines organisations des espaces. On a sécurisé les toits. On a ajouté la clim aux parties communes de l'établissement. Nous avons une animatrice à plein temps, notamment l'art thérapeute, qui permet d'aider les personnes à faire des travaux manuels, de la peinture, toute la décoration de la salle à manger. L'établissement est plein, est toujours plein à 99%, ce qui prouve bien, et nous avons malheureusement une liste d'attente importante, ce qui prouve bien que ça répond à une demande très importante des familles. L'avantage d'un EHPAD comme ça, c'est que justement on peut répondre à différentes personnes de classes différentes à un prix qui soit plus abordable pour les personnes qui désiraient entrer.